Bonjour à tous, bienvenue sur Alen Radio, c'est le 13 d'Hélène, hein, comme tous les jeudis. On n'est pas en direct exceptionnellement, c'est un enregistrement d'émission, puisque nous étions en tout cas, en tous les cas, en période électorale, donc on ne peut pas faire intervenir qu'une seule ou une partie des candidats, on doit avoir tout le monde, et aujourd'hui on n'en a qu'une seule, malheureusement, il n'y en a qu'une seule qui a répondu à l'appel, c'est Annie Perrault, qui est donc candidate aux élections départementales 2015 sur le canton de, justement, Dieu-sur-Meuse. Dieu-sur-Meuse, qui n'est pas très loin de Verdun quand même. Hein. C'est, oui, c'est plutôt très très proche, oui. Voilà, moins de 20 km. Dieu, oui, ça doit être ça, une vingtaine de kilomètres sur Verdun, 12. C'est mieux, c'est encore plus près. Voilà. Alors, vous êtes candidate justement aux élections départementales, en tout cas qui ont eu lieu, puisque cet enregistrement a lieu avant les élections, qui ont eu lieu les 22 et 29 mars. Qu'est-ce que c'est que les élections départementales, justement? Ça remplace anciennement les cantonales, c'est ça? Alors, voilà, c'est ça. Les élections départementales remplacent les élections cantonales, enfin en tous les cas les élections des conseillers généraux, puisque maintenant ces conseillers généraux ne s'appelleront plus conseillers généraux mais conseillers départementaux. Et le nombre de ces conseillers a changé également, puisque nous sommes, je ne sais pas dans quel temps, je dois parler, mais en tous les cas, il y aura 34 élus. Au total, dans le département. Sur le département de la Meuse, puisqu'il y aura 17 candidats hommes et 17 candidates. C'est femmes. Moins que lors des élections cantonales, il y avait plus d'élus. Il y avait moins d'élus, puisque. Ah, il y en avait moins, donc il y en a plus. Alors là, il y aura plus de. Ah, donc on ne fait pas d'économie, au contraire, on. Alors pour ce qui est des économies, ça c'est une question d'indemnité. Après, est-ce que je pense que vous voulez. Après c'est au niveau national que cette loi a été promulguée de réorganiser justement les élections cantonales. Alors l'organisation ou la modification du nombre de candidats ou d'élus a été surtout pensé pour pouvoir permettre à des femmes de s'engager politiquement, puisque l'obligation est surtout une obligation de parité. C'est la parité, donc la moitié, non? Et voilà, c'est ça. Donc il y a 17 nouvelles, ou en tous les cas 17 femmes, puisque dans les 17 femmes élues, il existe actuellement des candidates qui ont été conseillères générales et qui seront peut-être élues, je ne sais pas. Enfin, alors justement, vous êtes présenté en binôme, hein, c'est bien ça, avec Monsieur Guinavel. Voilà, hein. C'est une obligation d'un binôme, donc de se présenter à deux. Chaque candidat a un binôme, donc homme ou femme, homme et femme. Hommes et femmes, avec aussi une particularité, avec chacun un remplaçant. Un remplaçant. Moi, et pareil, c'est pareil, la parité dans les remplaçants également. Alors je devais forcément avoir une remplaçante femme, donc une remplaçante. D'accord. Et Guy, donc un remplaçant. D'accord, d'accord. Donc c'est vraiment la parité, c'est vraiment le grand changement, le changement majeur ce type de scrutin, en tout cas. Tout à fait. C'est le grand changement majeur. D'impliquer par cette loi qui a été votée sur cette obligation de parité, d'impliquer beaucoup plus les femmes. Ce qui est dommage, c'est d'être obligé de passer par cette loi pour pouvoir permettre aux femmes d'être plus présentes sur des candidatures politiques. Et c'est ce qui fait que ces 17 femmes ont pu avoir une place sur le département. Est-ce que le fait de l'obligation de binôme n'a pas un peu trop précipité les choses? Est-ce que certains candidats n'ont pas été pressés de prendre tout et n'importe quoi, si j'ose dire, pour pouvoir se présenter? Ah, alors ça, c'est une question qui est propre à la... Comment je pourrais expliquer ça? Les candidats hommes et les hommes d'une manière générale, mais bon... ont toujours cette habitude d'être tellement impliqués dans le milieu politique
qu'ils ont peut-être décidé, voilà, de se dépêcher de trouver une candidature pour pouvoir être présent, puisque on a eu quand même pas mal de difficultés à être quatre, à trouver des candidats pour boucler l'équipe, puisque c'était une obligation. Il faut que l'équipe soit au complet pour pouvoir se présenter. Donc c'est possible que les hommes aient pensé prendre... Je ne vais pas dire la première qui passe, mais celle qui, en tous les cas, a bien voulu immédiatement. Après, on a pu accepter, pour ce qui est de ces femmes candidates, elles ont pu peut-être accepter les propositions parce qu'elles se sont peut-être senties mises en valeur à ce moment. D'accord. Alors vous êtes également élu, hein, actuellement, on peut encore le dire, même si les élections sont passées. Vous êtes maire de la commune de Froidos. Oui, je suis maire de cette commune, c'est mon deuxième mandat. D'accord. J'ai été donc réélue en 2014. Je suis également vice-présidente économie tourisme à la Codécom. Du côté de Dieu. Non, du côté de Centre Argonne. D'accord. Et c'est marqué sur ma fiche. Et je suis également présidente d'un chantier d'insertion. De Verdun Chantier. Pas de Verdun Chantier, non, du secteur de l'Argonne. Ah d'accord, toujours. C'est un chantier d'insertion, pardon, qui se trouve sur les Ilettes, et le siège social est à Froidos. D'accord. Ce chantier était géré par Régis Drouet il y a encore jusqu'à 2 ans, donc il a souhaité démissionner et je l'ai remplacé donc en 2012. D'accord. Et donc je gère une trentaine de personnes salariées sur ce chantier. D'ailleurs, il y a un article qui est passé aujourd'hui, mais dans l'Est républicain, sur les chantiers d'insertion qui ont été mis financièrement en difficulté par une décision du Conseil général de supprimer les subventions les subventions attribuées pour les encadrants, une subvention de 30 000 euros par encadrant. Donc, les subventions sont totalement supprimées ? Elles sont supprimées, elles sont remplacées par une participation du FSE avec des dispositions un petit peu plus complexes que celles que nous avons actuellement, puisque jusqu'à maintenant, ces subventions étaient versées systématiquement à tous les chantiers d'insertion pour un encadrant, c'est-à-dire que dans le chantier pour lequel je suis présidente, nous avons 2 encadrants, donc ce qui fait que nous perdons 60 000 euros de subvention. C'est énorme, et d'où ma colère et la colère d'autres présidents de chantier d'insertion de mettre extrêmement en difficulté financière les chantiers d'insertion. Et comme vous disiez tout à l'heure, vous m'avez parlé de Verdun Chantier. Verdun Chantier est concerné par ce souci. Tous les chantiers d'insertion, l'AMI, tous les chantiers du département, avec aussi une difficulté, puisque à partir du moment où on met en difficulté financièrement ces chantiers d'insertion, on met aussi en difficulté les salariés qui sont embauchés. En courte durée, effectivement, mais quand même, qui ont un emploi grâce à ces chantiers d'insertion. Et sont concernées 480 personnes sur le département. Sur le département, ça fait quand même beaucoup. Hein. C'est énorme. 480 personnes donc, privées donc, de ces subventions, ce qui veut dire que il y aura forcément des... Ah, si cette décision n'est pas accompagnée d'une analyse et d'un changement de décision une modification de cet apport financier par le Conseil général, les risques sont extrêmement importants sur la mise en péril de ces chantiers d'insertion sur tout le département. Alors justement, est-ce que c'est toutes vos implications, on le voit notamment dans les chantiers, etc. Est-ce que c'est ça qui vous a poussé à vous mettre en binôme avec Guinavel ? Tout à fait, c'est exactement cela. Et c'est aussi ma proximité de terrain, parce que j'ai aussi une activité professionnelle, puisque je travaille pour un bailleur social qui est présent sur le département, et je travaille surtout sur le secteur du Normesien.
Je suis bien impliquée, bien en mesure de rencontrer les difficultés des habitants ou des administrés de pas mal de communes, et notamment sur le secteur de Verdun. Où... Et justement, il y a eu une affaire qui est parue dans l'Est républicain, si on peut commenter brièvement, sur justement l'affaire de la fameuse poussette. La fameuse affaire de la poussette. Donc c'est une personne qui habite. Alors je crois qu'on a dû lui proposer un autre logement à cette dame. Pour information que j'ai pu avoir suite à ce problème. Mais c'est une dame qui vit sur le secteur des planchettes, effectivement. Sur le quartier des planchettes. Des planchettes. C'est vrai que la montée des incivilités... même dire de et vous vous le constatez vous-même sur le terrain bien sûr oui c'est constaté, mais c'est quand même, j'ai envie de dire, c'est gravissime parce qu'on on est un département quand même très rural, la Meuse, constater comme ça qu'il y a de plus en plus des Meusiens, même c'est eux, parce que parfois on va pas entrer dans des voilà, mais il faut pas faire les amalgames. Par exemple, il y avait eu de la polémique lors des élections municipales autour des gens du voyage auprès de l'évêque, et effectivement bien souvent pendant cette période, on constate davantage d'incivilité, et parfois c'est pas forcément ceux qui sont ciblés qui sont les coupables. Voilà. Alors oui, donc pour revenir sur mes fonctions dans cet organisme HLM, donc je suis médiatrice, et effectivement on vient me voir régulièrement sur des soucis rencontrés d'incivilité, d'environnement, de voisinage ou autre. Et c'est très souvent qu'on me fait part ou qu'on me fait remonter de la présence d'individus indésirables pour certains secteurs que je ne qualifie pas moi d'indésirables, mais qui sont qualifiés d'indésirables par les personnes qui s'en plaignent. Il me semble que les politiques locaux doivent prendre ça en considération, et c'est à eux d'engager toutes les... C'est justement la politique locale qui n'est pas assez sociale, pas assez Je ne sais pas si elle est assez sociale ou pas assez sociale. Ce que je peux expliquer, ce que je peux me rendre compte par cette présence au quotidien, c'est que je crois que les politiques ne comprennent pas jusqu'à quel point les soucis sont graves et quelle importance il faut y attacher pour essayer de trouver des solutions avec tous les divers partenaires qui existent, hein, ça peut être la police aussi, hein, pour intervenir sur ces secteurs et trouver des solutions pour que des choses comme celles que vous venez d'évoquer sur le problème de cette poussette n'arrivent plus. Et on est très 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 régulièrement amené à rencontrer des troubles de ce type-là. Avec des vols, les vols de cuivre et tout ça, je pense que tout le monde sait que ça existe. Alors, les gouvernements successifs prônent la mixité, moi je veux bien, mais est-ce qu'à un moment, à force de vouloir mélanger tous les genres, on risque pas de trouver de plus en plus d'incivilité comme ça? Il y a celui qui travaille, celui qui ne fait rien, malheureusement, il y est pour rien peut-être, mais c'est vrai que celui qui travaille, des fois, paye un petit peu pour celui qui est un petit peu laissé à l'abandon dans ses appartements. Je dis pas qu'il faut faire le tri, mais voilà. C'est assez compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que la mixité, en fait, celui qui habite dans un quartier... la mixité, la personne qui habite dans un quartier HLM, ou les personnes qui habitent dans des quartiers HLM... Se trouve dans une position, tout dépend aussi des quartiers, tous les quartiers ne sont pas comme cela, mais je vois par exemple des quartiers comme les Planchettes, ça on peut pas le nier, c'est quand même un petit peu particulier, il y a comme une densité de gens assez... D'ailleurs, pour vous aider un petit peu, simplement pour vous dire que les bailleurs, vous les connaissez tous, eux souhaitent mettre dans les appartements des personnes qui ont un travail, parce qu'ils savent déjà que le loyer sera payé, ils savent qu'au bout de 6 mois, l'appartement qui aura été refait à neuf, eh bien, ne sera pas rendu dans un état de délabrement et qui sera à mettre sur le compte de la société et des... Je ne suis pas persuadée que ce soit comme cela, que les logements, les attributions sont gérées.
À partir du moment où on a une demande de logement, on doit forcément la remettre avec une proposition de logement. Donc la mixité, oui, mais la mixité peut être compliquée. En fait, la mixité n'est peut-être pas forcément favorisée par les personnes qui se trouvent dans les quartiers. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on voit, après je fais part de ce qui m'est rapporté lors de mes déplacements sur les quartiers, lorsqu'on voit arriver une famille un peu connue sur le secteur et qui a eu des dérives avec des problèmes liés à des délits et ensuite même jusqu'à la prison pour certains, lorsque des locataires, d'ailleurs quelquefois il nous arrive aussi d'avoir des appels ou des gens qui viennent nous voir en nous disant « qu'est-ce que vous avez été mettre cette famille-là » même avant qu'il se passe quelque chose, en nous disant « qu'est-ce que vous avez été nous mettre cette famille-là », on était bien tranquille et on voudrait pas avoir de soucis. Donc quand une phrase qu'on entend souvent hein, quand même. Oui, effectivement on l'entend souvent. La mixité elle est souhaitée par tout le monde, sauf qu'au final, elle n'est peut-être pas forcément approuvée par ceux qui se trouvent dans les quartiers HLM, quartier ou secteur HLM. Les locataires, vous voulez dire ? Je parle des locataires, ceux qui vivent, ceux qui y vivent. Donc c'est vrai qu'il est aussi compliqué pour des bailleurs, d'être confronté à un problème qui nous est rapporté par des locataires qui sont effectivement locataires qui payent un loyer, qui entretiennent correctement leur logement et qui nous font part de soucis qu'ils peuvent rencontrer eux au quotidien. Je comprends, on peut comprendre les problèmes qui sont rapportés par ces personnes qui vivent sur les secteurs HLM. Parce que dans certaines communes, de toute façon, je crois qu'il y a obligation d'avoir un certain nombre de logements sociaux accordés justement à ces personnes. Oui, effectivement, il y a des obligations, mais c'est plus sur des communes comme Verdun. Oui, mais c'est l'histoire de crédit aussi, parce que plus on accorde de logements sociaux, plus la commune touche aussi. Oui. Après, des petites communes comme Froideau, dans laquelle je suis maire, il n'y a pas d'obligation. Il se fait aussi que certains secteurs ruraux ont aussi des logements sociaux dans leur commune. Et c'est assez compliqué d'y trouver des locataires parce qu'on a aussi le souci de problèmes de déplacement. À partir du moment où on se trouve dans une localité, dans un milieu rural, il faut aller travailler. Et pour peu que vous soyez sans travail, se retrouver dans une petite commune, c'est un petit peu compliqué. Si tu me permets, Mika, je vous pose encore une question. Oui. Je reviens quand même sur la question que je vous ai posée au préalable, à laquelle j'estime que vous n'avez pas répondu complètement. Quand je dis les bailleurs, eux, la réflexion, je connais plein de bailleurs, leur réflexion c'est je préfère mettre une personne salariée qu'une personne qui ne vit que des prestations familiales. C'est pas vrai. Excusez-moi, si je ne sais pas quels sont les bailleurs, les connaissances... C'est pas un organisme HLM Bar-le-Duc-Gouverdin, mais ce sont des appartements... Je ne pense pas que ce soit exact. Bon, après, c'est plus à la direction générale qui pourrait vous apporter la réponse. Ouais. Mais je ne pense pas que cette réponse soit exacte. Pourquoi ? Parce que les locataires avec des revenus RSA ou des modestes, ont de l'APL et... Ça ne dure pas toujours. Ça ne dure pas toujours. Lorsque les APL, lorsque les loyers... Lorsque le reliquat du loyer à payer n'est pas payé. Mais il revient lorsqu'il y a des rappels d'allocation d'APL si le loyer est de nouveau payé. Mais l'APL est... Les allocations familiales et l'APL, je regrette, j'insiste là-dessus, on peut pas dire que c'est un salaire. Donc ça veut dire que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Ça veut dire que le bailleur, lui, n'aura pas son appartement, son loyer qui sera payé. L'APL est toujours versée si le locataire n'a pas beaucoup de revenus, puisque l'APL... Mais s'il ne vit que de ça. Mais il ne vit pas que de l'APL, il vit de RSA, au minimum. C'est le RSA plus l'allocation logement. L'allocation logement paye... Pour manger à côté. Ah oui, mais ça... Donc quand on mange à côté, quand on veut s'acheter une télévision, est-ce qu'on peut payer son loyer avec un RSA et l'APL? Bah, je vous assurais que oui. Pourquoi? Je peux vous aider, je peux... Oui. Alors là, on va être plus dans le technique.
pour ce qui est des résiduels lorsque l'APL est versée, sur nos logements bailleurs sociaux, sur nos logements sociaux, vous avez des logements avec un résiduel de 10 euros par mois. Mmh. Donc certains locataires ont un logement à entre 10 et 50 euros par mois. Donc ça peut être jouable. Il me semble, ça peut être autant jouable qu'une personne qui perçoit le SMIC, oui. Et qui a un loyer sans APL à 300 ou 400 ou 500. Bah, en général, l'APL ou la location logement est calculée quand même sur les revenus. On est d'accord. Quand il y a un SMIC, il y a un revenu. Il y a un revenu, mais je ne pense pas que l'APL soit énorme. Non, mais ça veut dire, il y a un revenu quand même à côté qui compense. Il y a un revenu qui compense. Mais au final, le restant à vivre est à peu de choses près. Oui, ça c'est certain. Je parlais en tant que loyer, simplement payer les loyers. Mais vous me parliez aussi de ce qui nous reste en fin de mois pour manger, l'EDF et les factures à payer. Voilà, alors je voulais revenir justement sur le fait qu'il y a des infinités, des violences, même au niveau de Verdun, on le constate, puisqu'il y a eu justement récemment, enfin on dit récemment, mais comme l'émission a été enregistrée, il y a eu un article qui est paru dans l'Est républicain, comme quoi, notamment, alors je crois que c'est le quartier, alors je pourrais peut-être pas retrouver l'article, je crois que c'est notamment le quartier des Planchettes qui a été restitué comme étant un quartier assez sensible au niveau du Verdunois. Il y a plusieurs quartiers d'ailleurs. Il doit y avoir Près-l'Évêque, la Cité Verte et les Planchettes. Ce sont des quartiers qu'on connaît bien. Quand moi j'ai habité Verdun par le passé, ce sont des quartiers qui sont des noms de quartiers. Près-l'Évêque, quand vous parlez du Près-l'Évêque, vous parlez certainement des tours qui sont au fond. Tout à fait. D'accord. C'est les tours 18. Bien précisé, c'est ça. Oui, merci de me le rappeler, mais c'est vrai que c'est les tours du fond, la tour 18 et 15. Bon, j'ai pas forcément envie de faire l'apologie le Près-l'Évêque. C'est vous qui m'avez orienté sur le fait de désigner plus précisément les bâtiments concernés. Mais c'est effectivement ces bâtiments du fond. Mais pourquoi aujourd'hui justement on en est arrivé là au niveau du Verdunois? Pourquoi? Alors je crois, on va être amené aussi à parler d'autres choses. C'est pas le fait du dernier mandat ou de voilà. Non, je ne pense pas que ce soit une question de mandat. Je pense que c'est une question d'effet de société qui est aussi liée à un problème extrêmement grave qui nous arrive de je ne sais où, mais qui a fini par imprégner bien les quartiers. C'est le trafic de stupéfiants. Et la prise aussi de stupéfiants par énormément de personnes. Alors il n'y a pas non plus que les quartiers HLM qui sont concernés. Il y a d'autres quartiers sur le centre-ville. Je parle de la rue Saint-Sauveur, Saint-Victor, où il existe pas mal de cas de ce type. Mais ça fait partie de ces incivilités, puisque lorsque les plaignants viennent me voir, c'est toujours, très souvent, les mêmes commentaires que j'entends, à savoir, quelqu'un a sonné à l'interphone, quelqu'un lui a ouvert, et c'est du passage du matin de minuit, 10 heures du soir, jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, et... Ça rentre, ça sort, ça fume, ça urine. La politique sociale n'a pas un petit peu de responsabilité aussi? La politique sociale de la ville En général. Sur quoi alors? Je pense, peut-être un petit peu trop d'assistanat, peut-être l'oisiveté, encourager l'oisiveté. Alors l'oisiveté, le souci aussi que nous avons sur nos communes et sur Verdun, je pense qu'il y a un manque évident de travail. Et de propositions d'emploi sur les communes. Donc à partir du moment où les habitants n'ont pas d'activité professionnelle, ils sont amenés aussi à avoir des dérives telles que celle-ci. C'est je me lève tard, je me lève à 2h de l'après-midi... Il y a un manque d'occupation professionnelle, ça c'est certain. Donc alors manque d'occupation professionnelle, ça veut dire j'ai de l'argent quand même. J'ai pas d'argent pour payer mon loyer, j'ai de l'argent pour acheter ma drogue et j'ai assez pour angoisser mes voisins. Me rapporte surtout de l'argent.
le trafic. Oui, bien sûr. Hein, c'est aussi ça. C'est vraiment le gros fléau sur oui. Verdun. Et il me semble que c'est le gros fléau sur ces secteurs, oui. Oui. D'ailleurs, les statistiques disent que Verdun est vraiment la grosse plaque tournante en France de la drogue. Oui, je confirme. Alors, on va essayer de positiver un petit peu, puisque c'est paru également il y a quelques semaines déjà dans l'Est républicain et sur nos amis de France 3 Lorraine, le fait qu'une nouvelle entreprise chinoise va s'implanter pas très loin de Verdun, proche des SWEM. Hein. Fabrique de LED. Voilà une entreprise de LED sur Verdun. Est-ce que justement 200 emplois à la clé, est-ce que ça peut être favorable et essayer de désengorger tout ce qui se passe actuellement? On ne peut être que satisfait qu'une entreprise puisse s'installer sur nos secteurs et ça peut permettre à certains d'avoir un travail. Donc forcément, on ne peut être que d'accord sur un objectif tel que celui-ci. Maintenant, à savoir quels seront ces 200 salariés embauchés, recrutés. Déjà, il faut aussi être certain ou certaine que cette entreprise arrive dans les meilleurs délais et qu'elle puisse recruter des personnes sur nos secteurs. Il y a des aides à l'installation ? Alors s'il y a des aides à l'installation, je ne les connais pas, très certainement. Je n'en ai pas entendu parler dans les différents commentaires, articles dans les journaux. Ça, je n'ai pas vu de chiffres donnés sur le sujet. Non, parce qu'une entreprise qui s'implante, c'est bien. Avec les aides de l'État, c'est bien, c'est encore mieux. Mais le jour où les aides sont versées, elle peut très bien partir. On a connu le cas sur la zone de Balécourt. Tout à fait. Tout à fait. Que les responsables s'en expliquent. Alors aujourd'hui, sur Verdun et dans la Meuse de manière générale, on peut être positif par rapport à l'avenir, je dirais, parce que c'est vrai que là, il va y avoir un gros événement qui va être le centenaire hein, autour de Verdun. Mais l'après-centenaire, justement, est-ce qu'on peut rester positif après le centenaire et voir autre chose, parce que le centenaire c'est bien, mais quand vous parlez de centenaire, pourquoi? C'est parce que vous pensez que ça peut rapporter dynamique et une manne financière qui pourrait être intéressante sur le département. Bien sûr qu'on peut que se réjouir de cela si. Mais ça reste un événement. Ça reste un événement ponctuel et qui, une fois que les choses seront parties, enfin sont passées, on peut penser que les choses seront oubliées, que ça ne rapportera plus rien. C'est ça en fait ce que vous voulez me dire. Après, c'est vrai que si on ne peut pas tout cibler sur ce centenaire, l'objet actuel, puisque il se fait qu'on est en 2015 et qu'on est en plein dedans, mais il ne faudra pas se satisfaire de cela, il faudra continuer à développer d'autres choses sur nos secteurs. Et la Meuse a peut-être un petit peu de mal tout de même à développer des choses, donc c'est bien un travail de concertation avec les politiques et les élus locaux qu'il faut vraiment développer, mettre en place, essayer de trouver des solutions concertées pour faire que les choses avancent. Je pense vraiment que la Meuse a besoin d'une dynamique de jeunesse aussi dans ses élus, de lancer des projets actuels. Et ça, quel que soit le parti. Quel que soit le parti. C'est vrai que c'est pas une question de parti politique. On est rural, donc on n'a pas forcément à être politique en Meuse. On agit pour le département, même si, voilà, il y a quand même. On ne vit pas dans les bisounours. Voilà, oui. Je suis d'accord avec vous. On ne va pas parler de terrain politique, mais tout de même, on ne peut pas non plus ne pas s'apercevoir que le Front National prend des voix de plus en plus fortes, et ce qui est bien inquiétant et ce qui est bien dommage. À tout niveau, au niveau national également. À tout niveau, effectivement, même national. Je crois qu'il y a dans certaines petites campagnes meusiennes où le Front National a fait, lors de certaines élections, il y a quelques années, 60%. Ce qui paraît normal, c'est le milieu agricole.
Là où j'habite, je suis en plein dans le milieu agricole. Donc, avec cette candidature sur Dieu déclarée du Front National, on peut penser qu'il y aura des élus issus du Front National sur le département. Si jamais on en a, justement, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la Meuse? Est-ce que ça va être compliqué? Je pense que ça risque d'être assez compliqué, puisqu'on ne peut pas être... Enfin, en tous les cas, moi, je ne suis absolument pas d'accord sur ces candidatures, leur manière de gérer, leur manière de penser, sur cette fixation sur la peur de l'autre, ou en tous les cas faire penser que... ou laisser penser que la faute vient soit des étrangers ou de ceux qui profitent du système. Il n'y a pas les bons et les mauvais. Il y a toute une implication à faire ensemble, et à faire des choses ensemble pour que les choses avancent. On ne peut pas mettre à l'écart certaines personnes en se disant « ceux-là sont les mauvais, donc on s'en éloigne ». On peut être tous amenés un jour dans sa vie à avoir besoin d'être licencié dans d'une entreprise, d'avoir besoin de chômage pour vivre, enfin d'allocation chômage. Donc on ne peut pas pointer du doigt quand on est satisfait de sa position un jour, en se disant c'est la faute de l'autre parce qu'il profite, parce qu'il perçoit. C'est faux. Enfin, il y aura de toute manière des gens, il y a des gens qui profitent du système, il y en aura toujours. Mais on ne peut pas faire une politique sur ces personnes qui profitent, ou des personnes étrangères. Étrangères parce que le nom est étranger, mais pas forcément étranger dans le lieu de naissance. Pour beaucoup, le nom suffit à dire celui-ci est étranger, alors que non, il est bien né en France. Enfin, une actualité récente quand même a bien montré quand même que tous les terroristes qui ont été abattus à Paris, que ce soit maintenant, dernièrement ou il y a un an ou deux avec M. Mera, ils n'avaient pas vraiment... voilà, c'est peut-être ça joue le jeu du Front National. C'est peut-être pour ça que la peur de l'autre, ils jouent avec ça. Il faut pas le nier. C'est ça. Hein? Et ça fonctionne bien. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, et ce qui est bien regrettable d'ailleurs. Ouais. Il faut... Nos vies manquent peut-être un petit peu d'humanité, même beaucoup d'humanité sur le quotidien. Et qu'il serait intéressant de mettre aussi en avant ce côté humain que l'on a tous en soi, même sans prêcher la bonne parole, hein. Et que ce serait bien que de temps en temps, on en parle un peu plus. Mais vous avez vu quand même, à l'heure où l'émission est enregistrée, c'était hier, hein, mais c'était enregistré, comme disait Michael, c'était dans le métro français. Vous avez vu cette équipe, non, hier avant-hier, l'équipe de Chelsea, supporters de football qui ont empêché un Français, un Noir, de monter dans le métro. Ça a fait toute une polémique. Donc vous voyez que c'est pas franco-français, c'est vraiment... c'est national, c'est européen, ça commence à s'étendre un peu. Vraiment, ça me fait même très peur. Oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Et c'est bien regrettable. Je trouve ça inadmissible de prendre comme ça, enfin de te mettre à l'écart sous prétexte qu'on a une couleur différente ou une religion différente. On est tous, avant tout, ce que je disais tout à l'heure, je me répète, je sais, des êtres humains à vivre ensemble, et l'intérêt de vivre, c'est d'être différent. Sinon, je vois pas l'intérêt d'être ensemble. Si on est tous pareils, ça sert à rien. Enfin, il me semble inintéressant de vivre au quotidien avec un monde identique, avec des gens identiques de tout point de vue. La diversité fait la diversité de quelque nature que ce soit fait l'intérêt de vivre. Alors, je voudrais qu'on revienne juste au niveau local, puisque vous parliez de dynamisme au niveau des candidats. Justement, Verdun, autour de Verdun, on sent une impulsion depuis quelques mois autour des animations. On le voit encore dernièrement avec le MET, qui a été subventionné davantage que les années précédentes. Il y a également diverses animations qui se créent. Est-ce que justement on est là dans une bonne dynamique au niveau de Verdun et au niveau des animations? Je ne connais pas bien les décisions verdunoises sur le sujet. Après, c'est vrai que si je suppose que monsieur le maire, monsieur Hazard, a pris cette décision pour mettre une dynamique plus forte sur sa commune, et ça ne peut être
que mieux que ce qui a été vécu par le passé. Et je pense que Samuel est quelqu'un d'intéressant sur le sujet et d'impliqué sur le sujet. Et je pense qu'il, s'il l'a fait, c'est qu'il a bien compris qu'il fallait le faire pour que Verdun prenne une dynamique beaucoup plus jeune et beaucoup plus intéressante dans les années futures, voilà, proches. Pour le futur, justement, voilà. Voire au-delà de l'aspect historique, du centenaire. Bien sûr, il faut que ça perdure, parce que voilà, Verdun, c'est là où s'est passé toutes ces tragédies. Mais voilà, il faut voir au-delà de ça. Si et l'avenir, c'est peut-être ça, c'est peut-être au niveau de la jeunesse, donner des impulsions, favoriser justement tisser le lien social, justement. Tout à fait. Et je pense que Samuel est quelqu'un de... Enfin, Samuel Hazard, c'est quelqu'un qui connaît bien ce monde et puis qui a envie de ça, sincèrement. Je pense qu'au fond de lui, il a vraiment envie de ça. Il aime sa ville et il essaye de faire ce qu'il peut faire, enfin, ce qui lui semble le mieux pour lui et pour les autres. Il y a un budget assez conséquent, une augmentation assez conséquente, hein, pour 3 jours. Pour le mettre, ce qui était notamment. C'est bien, parce que ça avait été beaucoup réduit, ça avait été énormément réduit par le passé, sur le mandat précédent, par son prédécesseur, et c'est bien qu'il fasse plus fort, puisque c'est vrai que ça devenait. Moi, je me souviens justement de Musique et Terrasse, puisque j'ai eu l'occasion de m'y rendre les week-ends. C'est vrai que c'était une saison qu'on attendait pour ce qui est de la période estivale. Et c'est vrai que le fait que ça a été amoindri, ça a fini plus ou moins par disparaître dans la tête de ceux qui avaient envie de s'y rendre. Et au final, on se disait, de toute manière, dans 3 semaines, 1 mois, c'est terminé. À peine commencé, c'était déjà fini. Voilà, c'était déjà fini. Donc s'il a souhaité reprendre un petit peu de dynamisme sur la musique, les musiques et terrasses, je trouve ça très très bien. Surtout que c'est quand même bien pour ceux qui restent, ceux qui ne partent pas en vacances. Moi, c'est souvent mon cas. Et c'est super agréable. C'est bête pour ceux qui partent. C'est bête pour ceux qui partent, mais bon, c'est avec tout le monde que ça peut amener, apporter, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui restent, qui ne partent pas forcément en vacances. Ou en tous les cas, qui ne partent pas tout l'été. Donc, tant mieux, c'est bien. C'est agréable de pouvoir se dire qu'en été, on va pouvoir passer des week-ends en terrasse sur le quai et puis de pouvoir reprendre ces concerts tels qu'ils ont pu exister par le passé. Alors, on ne peut achever cette émission sans parler justement de votre candidature quand même. Même si, voilà, à l'heure où on parle, on ne sait pas si vous avez été élu ou non. On le souhaite. Je me le souhaite. En tous les cas, qu'est-ce que promulgue un petit peu votre programme au niveau de votre canton? Alors, c'est un sujet qui a été une question qui nous a été posée et qui nous est posée aussi dans nos déplacements sur les secteurs, à nos réunions publiques et nos visites dans les communes. C'est qu'un conseiller départemental n'a pas de programme à annoncer. Il peut se dire porteur ou il peut se dire, comment je peux expliquer ça, défenseur d'une idée qui va être menée par l'ensemble des conseillers départementaux et en l'occurrence du président du conseil départemental qui sera président au moment des... C'est un petit peu de la collaboration, en fait. C'est de la collaboration. C'est vrai qu'il y a des projets actuels qui existent, et heureusement d'ailleurs, que ça ne s'arrête pas en cours de route parce qu'une élection arrive. C'est quand même la moindre des choses, c'est de faire un travail et de le faire perdurer. Donc on va penser que, ou en tous les cas, on sera tout à fait à même de défendre, de suivre, et d'entreprendre et de faire en sorte que les projets, et surtout concernant l'emploi, pour les Meusiens, puissent être suivis et aboutissent au mieux pour notre département de la Meuse. D'accord. Eh bien, très bien. Je pense qu'on va petit à petit quitter cette émission. En tout cas, on espère, on suivra avec attention les élections qui ont eu lieu les 22 et 29 mars. Donc c'est dimanche comme chaque élection. Donc premier tour le 22 et deuxième le 29 mars. Et insister pour dire qu'il faut voter. Et oui, il faut voter. Et insister, effectivement, j'avais pas pensé à ça. Il faut vraiment aller voter et
ne pas se dire tous les mêmes. Enfin, les arguments sont répétitifs et ce sont des arguments qu'on entend régulièrement et c'est bien dommage. Oui, enfin, nos hommes politiques, vous remarquerez, quand même, font tout pour qu'on pense. Qu'on pense ça. Oui, ça. Mais il faut quand même aller voter. Il faut bien se dire que s'il y a un jour où si les votes n'existent plus, il y a des gens qui se sont battus pour le vote, qu'il faut absolument... Vous serez pour un vote, comme en Belgique et au Luxembourg, un vote payant ? Amendable. Ouais. Amendable, si, oui, amendable. Si on ne va pas voter. Mmh. Je serai assez pour, oui. On a des droits, mais on a des devoirs. Voilà, tout à fait. Et après, on peut ne pas se rendre à un vote pour une raison personnelle et... Mais il ne suffit pas d'être en colère une fois que les choses sont faites. Ou si on ne trouve pas de candidat, on peut toujours voter blanc. On peut toujours voter blanc si le candidat ou les candidats ne vous conviennent pas. Voilà. En tout cas, on suivra tout ça avec attention. Il y a également une page Facebook. Hein, oui. Elle perdurera même après... Elle perdurera puisque je suis régulièrement sur Facebook depuis plusieurs années. Donc elle perdurera après ces élections. D'accord, et bien on se tiendra au courant par le biais des réseaux sociaux et donc à l'issue des élections, des premières élections du genre départementales en Meuse et partout. Avec la parité féminine, je vous remercie beaucoup. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation.